en espoir, tu te retrouves en A. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé, comment t'as appris ça? Bah, c'était après l'entraînement. On faisait un petit entraînement vu qu'on a joué il y a quelques jours. Et le coach Thierry Henry, il m'a pris à part. Il m'a dit de faire mes affaires et de rejoindre les A. Donc au début, j'étais surpris. Mais je pense pas que j'ai réalisé tout de suite. Du coup, je suis retourné à la résidence Espoir. J'ai fait mes affaires et je commençais à venir au château. Tu avais chambré Malo un petit peu plus tôt. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé en sortant du taxi? Non, c'est vrai que j'avais appris la nouvelle un peu plus tôt. Du coup, je l'avais déjà appelé pour le féliciter. Et quand je l'ai vu, je l'ai encore un peu taquiné. Je lui ai dit de prendre des snaps et de nous envoyer. Et finalement, je me retrouve avec lui. Ouais, je prends quelques photos. Quelques photos, tu snaps, tu m'envoies, d'accord? Non, je veux pas te voir, les gars, vous savez déjà. Franchement, je suis très content d'être ici. Forcément, le château, c'est quelque chose de symbolique. Donc, de pouvoir y entrer, c'est déjà une grande fierté. Et ensuite, j'ai été accueilli par un peu tout le monde. Déjà avec Malo, qui m'a fait visiter. Après, j'ai pu rencontrer les autres joueurs et le coach. Les A, c'est vraiment le Graal. Je pense que chaque joueur qui passe aussi par les catégories de jeunes rêve d'être en A. Et il faut se mettre au niveau des autres, tout simplement. Ce maillot de l'équipe de France, le château, tout ça, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est un petit peu le tourbillon aujourd'hui? Ouais, c'est sûr, je suis un peu en phase de découverte. Mais c'est une immense fierté, un grand honneur d'être ici et j'espère pouvoir montrer de belles choses pour pouvoir revenir. Justement, toi, qu'est-ce que tu peux apporter à ce groupe? On va dire un peu de fraîcheur déjà, parce que je fais partie des nouveaux de ce rassemblement. Je pense que j'ai des bonnes qualités déjà de relance pour qu'on puisse ressortir de derrière. Défensivement, je pense être assez dur, costaud et tout simplement montrer toutes mes qualités, que ce soit à mes coéquipiers et au coach. Tous mes sauvages sont très agressifs. Vous êtes des meilleurs sur internet. En face, tu finis en soins intensifs. Ça va, c'était pas mal. J'aurais pu faire mieux, mais je ne m'y attendais pas à chanter aussitôt. Mais c'était pas mal. Grosse pression? Un petit peu, mais plus de la motivation, je dirais. C'est plus de la motivation. Ça donne envie de... Du peu que je sois là, déjà, ça donne envie de revenir et de tout faire pour être là à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette semaine? De pouvoir beaucoup apprendre de tous ces joueurs, de prendre de l'expérience, parce que je suis encore un jeune joueur. Et pourquoi pas avoir quelques minutes, ce serait pas mal.